Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Victoria 3 avec l'industrialisation de Haïti. Alors, on a un peu de légitimité. La question que je me posais, c'était... Alors non, c'était... Ah, oh, remarque, il y a du monde qui le soutient maintenant. Ah ouais, la petite bourgeoisie aussi le soutient. Ça serait pas mal ça, mais il y a à nouveau les propriétaires terriens qui vont râler. Si on essaye quand même de passer le non-interventionnisme, ce qui me gêne, c'est que... Si la petite bourgeoisie pouvait ne pas être dans le parti conservateur, ça m'arrangerait. Mais là, en fait, il y aurait moins 5 chez les propriétaires terriens, donc ce serait un petit peu plus gérable. Et en plus, ils sont pas au gouvernement. Donc on va faire ça, parce que ça va pas mal booster la petite bourgeoisie. Je préférerais qu'ils soient plus boostés que les propriétaires terriens. Et après, si on veut saboter encore plus les propriétaires terriens, on va pouvoir... Ouais, moins 10% d'accès à l'éducation à cause de la fiction pieuse. Alors ça, c'est un autre truc aussi. Il va falloir qu'on fasse sauter les écoles religieuses. Parce que ça donne trop de pouvoir aux autres. Et on remarque qu'on aurait presque pu faire ça plus tôt, en fait. Passer sur les écoles privées. On remarque qu'on a pas mal d'approbation aussi. Ouais, notre élite intellectuelle approuve même les écoles publiques, dis donc. Ok, alors, donc pour l'instant on va laisser notre fonds d'investissement financer la construction de cette verrerie. Bah, il sort demain l'avion. Bon, sinon on était en train de se batailler au dernier épisode entre notre acier et... Alors là c'est... Ouais bon, c'est toujours positif, donc ça c'est l'avantage. Mais c'est surtout... ouais, c'est toujours positif, remarque. Mais une fois qu'il va arriver à complète... Voilà, là, ça passe en négatif. Donc, il va avoir du mal à rester à ce niveau-là. Je sais pas si l'industrie automobile devrait aussi tirer un peu la demande vers le haut. Et on peut... Ah, mais on peut... Ah oui, on peut le passer sur les chaudières à tube à eau. Alors, ok, les chaudières, c'est une bonne idée. Mais on a... Ok, nos routes commerciales qui regagnent un petit peu en puissance... Le problème, c'est qu'elles vont pas s'upgrader. Pourtant, on est déjà à zéro droit de douane. Vous voyez, là, quand tu mets ici, ça met que des droits de douane sur les exportations, en fait. Ah, c'est tous les 4 ans. D'accord. Si on mettait ça, ça nous mettrait plus de droits de douane sur les importations. Et ça, ça nous mettrait que des droits de douane sur les importations. D'accord. Donc, le truc, c'est qu'au contraire, nous, on veut stimuler les importations ici. Donc, c'est pour ça qu'on met protéger l'approvisionnement national. Le problème, c'est qu'on a le charbon qui vient de monter en flèche, là. Qui est en train de bien monter en flèche, parce qu'on est à 30 pour 44. Donc, en fait, il nous faudrait presque une nouvelle route d'importation. Oh, Antonio Barreto est mort, qui était le cocardier de l'élite intellectuelle. D'accord. C'est qui le nouveau ? Ça m'intéresse. Ah, c'est à nouveau un cocardier. Ok, d'accord. Très bien. Des enfants travaillant dans l'industrie automobile de Haïti se sont blessés en essayant de faire fonctionner les machines utilisées pour la production. Alors, soit ils n'ont rien à faire à l'usine, moins 10% de revenus des personnes à charge. Alors ça, le problème, c'est que du coup, nos populations les plus pauvres vont avoir moins de revenus. Ça va pas être génial pour elles. Sinon, ça va augmenter le taux de mortalité des ouvriers, mais les syndicats des travailleurs et les propriétaires terriens vont pas apprécier. Alors, le syndicat des travailleurs n'a pas encore beaucoup... puissance, donc c'est pas un problème. Par contre, c'est effectivement les propriétaires terriens qui sont déjà en colère, en fait, à cause du changement de loi. On va baisser les revenus des personnes à charge, mais j'ai peur que ça aggrave encore plus la situation ici. Alors, il faudrait qu'on améliore le niveau de vie de nos gens. Pour améliorer le niveau de vie, la première chose qu'on peut regarder, c'est baisser le prix des vêtements. Le problème, c'est que si je viens importer vêtements... Ouais, en plus, non, les routes valent rien. Si on veut améliorer le niveau de vie, il faudrait qu'on aille sur les industries textiles. Sachant que... Non, j'ai pas encore accès aux ateliers mécanisés. Ou alors, il faudrait les machines à coudre. Ça boosterait pas mal la production. Oui, non, parce que celui-là, ça réduit juste la quantité d'ouvriers. C'était les machines à coudre. On avait... Normalement, j'ai des routes d'importation de tissu, il me semble. Ouais, on en a une, mais elle a pas vraiment un bon level. Ok, alors, le niveau de charbon a baissé. C'est quoi, il y a une route qui vient de s'upgrader ou quoi? Non.
Ah, mais c'est le, c'est la demande, c'est quoi? C'est la Siri qui fluctue au niveau de ses employés, je crois. Ouais, c'est ça. Il faudrait, si j'avais juste une route qui passait au niveau 2, ce serait bon. Ou alors il faudrait une autre route. Mais à ce moment-là, la productivité des 3 routes serait merdique. Mais ça sauverait le problème ici. Je vais la mettre pour l'instant, mais ouais, tu vois, elle passe directement en négative en fait, parce que le simple fait de l'avoir, ça a baissé le prix. Ah non, remarque, elle est toujours en positive. Ok. Une forte demande d'importation de thé. On peut importer beaucoup de thé du marché espagnol, donc vas-y. Par contre, j'ai plus de convoi maintenant. Voyons voir, où est-ce qu'on a... On a 22 sur 40 sur l'infra, 24 sur 37, mais on avait la voie ferrée ici. Ah, elle a plus le malus, la voie ferrée. Donc, ça veut dire qu'on peut... Ouais, on peut remonter la demande de trucs avec le centre urbain, le tramway public. Voilà. Comme ça, au moins, c'est un solde positif et ça ne nous coûte pas d'argent. Alors, j'ai une deuxième industrie automobile en cours. J'avais un camp de bûcheron, une industrie automobile, une industrie alimentaire. On a surtout besoin, je pense, de textile et probablement même de manufacture de meubles, non ? Ouais, les prix ont un peu augmenté. On peut passer sur la chaudière à tube à eau, mais pareil, ça va juste baisser le nombre d'ouvriers utilisés ici. Mais là, par contre, ça va faire perdre. Notre fabrique d'outils, j'en ai toujours qu'une. Ah ouais, putain. Ouais, moins 97 pour les puces 807, ça devrait être bon, mais le problème, c'est la demande de charbon, là. Ah, attends, est-ce que... J'aimerais voir une chose. Est-ce que je peux importer... Ouais, parce qu'on est bel et bien à l'exploitation maximale ici, mais j'ai deux routes commerciales, c'est ça? Ouais, j'en ai deux. Si j'en vire une, est-ce que la deuxième va vouloir se dégrader ou pas? On va avoir un coût qui va être très élevé. Devoir laisser passer une semaine. Non. Ok, donc deuxième route commerciale. Ah bah, nouveau marché espagnol en fait. J'ai vraiment pas le choix en fait. D'accord. Je sais qu'on a 37% d'agitation. Pour l'instant, ça fait rien, non. Ça fait rien, mais en fait, ça diminue beaucoup l'approbation de certains groupes. Et c'est ce qui est un peu en train de verrouiller ma situation politique ici. Alors, pas tant verrouillé que ça, parce qu'au final, on est en train d'essayer de passer une loi qui, je l'espère, va réussir. Mais pour l'instant, non, ça pose pas plus de problème que ça. Alors, on a une verrerie qui est montée en ligne. Donc, la verrerie, elle fait du verre. Oui, je dis souvent des choses comme ça. On pourrait fabriquer un peu de céramique avec. Ça augmenterait la demande en teinture. Sachant qu'on avait une route commerciale de teinture qui était merdique. Ça nous demande d'importer du plomb. On n'a pas de route commerciale de plomb. Il faudrait qu'on en rajoute une. De base, ça consomme 32 bois. Ça va descendre à 20. Le truc, c'est que sur notre marché, ouais, il n'y a que des groupes sociaux pour l'instant qui ont besoin. On pourrait utiliser le verri dans les industries alimentaires. Donc, il faudrait attendre que les industries alimentaires montent en ligne. Donc pour l'instant, nos verreries, pas énormément besoin, à moins que, ouais, avec les bâtiments avec structure en acier, on aurait besoin de verre à ce moment-là. Ou alors, on fait une route d'exportation de verre. Et je suis à peu près certain qu'une route d'exportation de verre nous rapporterait pas mal d'argent actuellement. Non, pas vraiment. Surtout qu'on commence à avoir un problème de manque de convoi. Je perds de l'argent. Ah, mais c'est parce que le fond... Non, il est pas... Ah non, je perds de l'argent hors construction, en fait. On va baisser un peu les... Ouais. Ah, putain. Toujours en négatif, encore. On peut l'utiliser dans les centres urbains. C'est probablement une bonne suggestion, ça. Alors, on a les lampes à gaz, mais ça, c'est du charbon que ça demande. Ah, c'est les places de marché, c'est ça. Yes.
Ok, donc on peut effectivement basculer sur de la place de marché ici. Alors on est à combien de production de verrerie actuellement? Enfin, la verrerie, elle peut monter à combien? Elle peut monter à 30 de production. Donc si on bascule les deux centres urbains vers les places de marché... Déjà une, ça nous fait 20. Et une deuxième, ça va nous faire 30. Oui, non, mais la verrerie est en train d'en recruter. Vous inquiétez pas, elle va produire. Tu veux recruter ou pas? Ok, ça recrute. Tu trouves que la musique est trop forte? Sérieusement? Ok. Bon, les services du coup se sont effondrés, donc ça c'est pas plus mal parce que les gens vont apprécier. Mais derrière... Comme j'ai dit, il faudrait qu'on produise un petit peu de céramique, mais pour l'instant la céramique, on a très peu de demandes sur le marché en fait. Donc déjà avoir du verre, à moins de faire une route d'exportation aussi. Mais si on veut passer, parce que j'aimerais bien passer sur le verre plombé pour que ça passe en propriété privée ici. Mais si on veut le verre plombé, ça nous fait une route commerciale de plomb d'importation, ça va nous coûter 15 de bureaucratie. Et si on veut faire de la céramique, il va falloir exporter, ce qui va nous coûter les 30 qu'on a en fait, en gros. Et là on voit qu'elle n'arrive pas à embaucher en entier parce que malgré le fait qu'on soit à 21 sur 29, le prix baisserait trop. J'ai le bois aussi qui gueule un peu. On va faire la camp de bûcheron en premier. Hein. Et... Chut, chut, chut. Bon, le centre urbain est en train de recruter aussi. Mais du coup, la demande de verre fluctue. Si on passait là-dessus, ça réduirait la demande de verre. Et on aurait un peu de céramique parce qu'il y en a un petit peu besoin sur notre marché. Mais il nous faudrait une... Oh merde, il n'y a aucune route d'exportation disponible. Ah si, putain, j'ai eu peur. Oui, on a une très belle route vers le marché italien d'ailleurs. Ok. On pourrait même aller jusqu'au verre en cristal, je pense. Ouais, attends. Déjà, on va passer sur le verre normal. Ouais, parce que là, du coup, c'est les teintures. Mais ah oui, donc j'ai mes usines de textile et les verreries maintenant qui ont une forte demande. Mais peut-être que la route va s'upgrader au niveau 2, du coup, sur celle-là. Par contre, c'est le plomb que j'ai aucune offre, aucune demande. Donc attends, on va quand même lui laisser la semaine pour qu'il se mette à jour. Voilà, on a une pénurie. Donc on peut en importer du marché italien, mais seulement deux. Attends, ça m'étonne ça. Marché haïtien, ça va descendre à 26. Le prix là-bas sera à 47. Par contre, sur le marché italien... Attends, on va essayer avec le marché italien. Ah, mais j'ai plus de convoi. D'accord. Attends, est-ce que je peux me débarrasser d'une route qui... Non, l'importation de fer, certainement pas. Je vais virer une des deux routes sur la soie. On va virer la route de thé, même si le prix est encore extrêmement élevé. Ça devrait aider. Ouais, on va voir, ouais, convoi nécessaire. La route qui exporte les moteurs et la route qui exporte de la porcelaine. Les deux, elles ont besoin de clippers. Sauf que malgré ça, j'ai que 40 convois disponibles là. Ok, logistique disponible. On est sur quoi ici? La levure chimique pour les industries alimentaires. Donc, sur le même problème, on n'a pas d'industrie alimentaire pour l'instant. On pourrait aller vers dialectique comme on me l'a suggéré, 32 mois. Il nous faut des ports. On n'a vraiment pas le choix là, il faut améliorer les ports. Donc il nous faudrait un deuxième port ici et le fer en priorité même. Hein. Attends, je viens de faire une connerie je crois. Oui, je viens de faire 5 ports. Je voulais pas faire ça. 3 et plutôt Alt-Click pour que ça soit fait en premier. 30 semaines, ça va être long. Quand ces Pays-Bas ne sont plus rivaux. Ok, alors... Des protecteurs envers nous, on est à combien? On est à 57 de relations. Il est dans une guerre avec la Prusse contre le Anhalt. Ça y est, les bâtiments, le fonds d'investissement est vide.
Alors, Elboso, pour pouvoir interagir diplomatiquement avec des gens, tu peux le faire qu'avec tes voisins, de base. Et sinon, il faut pouvoir déclarer des intérêts. Et pour déclarer des intérêts, il faut avoir une capacité de déclaration d'intérêts. Et quand tu joues un tout petit comme Hawaï ou Haïti, bah t'en as pas tant que tu t'es pas, tant que t'as pas augmenté ta puissance en fait. Ouais, on est vraiment limite, limite, limite là-haut. Hein. Bon, au moins on a mis quoi 112k de côté, donc on va pouvoir piocher là-dedans pour finir de construire ce port dans l'idéal. En fait, j'ai plusieurs routes qui se sont bien développées, j'ai l'impression. Attends, est-ce qu'on pourrait pas essayer d'importer des teintures d'ailleurs ? On a besoin de teinture. Teinture. C'est où les teintures ? Bon, écoute, j'ai horreur de cette interface. C'est vraiment la galère. Donc les teintures. Route d'importation. Ok, marché espagnol, on est à 20 de productivité. Donc ça devrait peut-être passer au niveau 2. Quoi. Et après, la soie... La soie, c'est toujours pas ça. Et c'est considéré du coup comme une pénurie de soie. La pénurie de soie plus pénurie de teinture, ça nous fout la merde sur toute notre production de vêtements derrière en plus. Génial. Soutien citoyen en faveur de la loi. Cool. Plus 1% de promulguer, de chance de promulguer. Et plus 10% d'attraction. Ou plus 1% de groupes sociaux des classes inférieures en Saint-Domingue deviennent plus loyalistes. Oh, ça, ce serait sympa, ça. J'ai très envie... Ouais, mais je suis pas si pressé que ça de passer cette loi. Avoir des loyalistes, ça m'intéresse, parce qu'on en a pas du tout. On va vouloir augmenter le nombre de loyalistes. Ok, bon, ça va vraiment pas. Sauf que, ouais, j'ai vraiment pas moyen d'avoir j'ai pas une assez bonne importation de soie. Donc, on va arrêter ça. Donc, comme ça, on a plus de problèmes de soie. Et on va arrêter, du coup, l'export. Ouais, on arrête l'export. Et on arrête l'importation, parce que, du coup... notre usine textile va produire le max tout ce dont on a besoin. Oh non, vers l'état du Kenya, tu vois. Et ça, c'est chiant parce que ça te met une pop-up qui dit il y a des gens qui ont migré. Tu fais oui, mais pas chez moi. Alors là, il a disparu le truc de migration. Par contre, là, il est toujours. Tu vois, donc celle-ci a bugué, mais celui-là a bel et bien disparu. Donc peut-être qu'il va pouvoir revenir sur Saint-Domingue du coup. Ah bah ça va un peu mieux, on est même en positif là, dis donc. Non, Spock, tu descends. Allez, descends. Si on le basculait, non, on sera à moins 80. Ma remarque, le prix est pas si élevé que ça. Pour moins 1,5K d'ouvriers. Les Bantous... Ah bah voilà, on vient d'avoir une immigration de Bantous vers Saint-Domingue. Ouais, moins 300 maintenant. On va voir sur notre marché. Ouais, c'est les industries, mais je les ai pas augmentées au niveau 2. Non, elles ont pas été construites pour l'instant. On a zéro de productivité. Ça, c'est principalement parce qu'il nous avait dit que... Ouais, les convois. On a besoin de convois. Alors, est-ce que je peux recruter un général ou pas ? Église catholique ou force armée, c'est pas le même que la dernière fois. En plus, il est cruel. C'est pas une bonne idée, ça. Fernando de Céspedes est mort. C'était le leader des propriétaires terriens qui était réformateur. Alors ça, c'est pas cool parce que... Bon, la petite bourgeoisie est devenue un groupe d'intérêt puissant, d'ailleurs. Ah, ok, ça va, il est cocardier. Donc c'est pas si terrible que ça. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir les faire rentrer au gouvernement, en fait, à la prochaine élection. Ouais, je sais, mais on en a qu'une seule de route ou on en a deux ? Non, ça, c'est pas la bonne chose. Ah oui, non, mais en fait, je peux arrêter l'importation de la soie complètement, du coup. On peut peut-être remettre une importation de thé à la place. Ça va nous faire des rentrées d'argent. Demande des verreries, ça fait un peu mal, mais le prix du verre, toujours un très bon prix.
Ah, c'est surtout les centres urbains et les groupes sociaux, donc en fait on devrait pouvoir augmenter encore plus la production. Ouais, sachant que lui est déjà bon là. Si on les passe sur le verre en cristal, ouais, on aurait une pénurie de plomb si on fait ça. Le problème c'est que l'importation de plomb, j'ai du mal à la faire monter plus haut. Je pense pas qu'on peut la faire monter au niveau 2 juste comme ça. Et si on passe sur les porcelaines là, ouais non, là ça va augmenter encore plus la demande de teinture. Et on n'a pas besoin de tant de porcelaine que ça. Donc je pense qu'on va juste le laisser comme ça pour l'instant. Le verre est cher, mais tant pis, au moins ça permet à l'usine d'accumuler des recettes. Bah oui, parce que tu portes un droit de douane sur l'importation, donc bien sûr que tu gagnes de l'argent. Là, les Anglais essayent de faire des Zoulous à un état fantoche. Et on est monté à 10 de prod, on était à 9. Ah mais oui, avec la technologie, là, ça a augmenté le pourcentage un peu d'efficacité. Ok, donc le port va monter en ligne. Donc les convois nécessaires, ça va disparaître. Voyons voir ce port. La population ici, ouais, j'ai encore pas mal de gens sans emploi, donc ça devrait être bon. Donc le voilà. Ça va nous faire quoi? Plus 400 convois, c'est ça? Plus 200 convois de plus, je pense. Non. Ouais, c'est ça, c'est 200 convois par level. Après, je voudrais passer sur le port industriel, mais ça va nous coûter du charbon, ça. On n'a pas les techs pour l'instant, mais on les aura après. Donc là, le convoi nécessaire, ça devrait se calmer. Et là, les droits de douane, du coup, ça a bien monté. Voyons voir. C'est quoi qui nous rapporte autant? Oh, attends. Ok, on est au niveau 2. On pourrait essayer d'augmenter les droits de douane dessus même. Non, elle vient de passer au niveau 3 même. Attends, peut-être pas. Ah, elle gagne bien. Elle gagne bien sa vie. Plus 30% sur le prix. On est en train de faire le truc de bûcheron, mais juste après, on va avoir le niveau suivant qui va arriver. Ouais, d'ailleurs, là, le prix est même en train de bien monter, d'ailleurs. Ça doit venir... Ah, bah oui. C'est que là, elle est trop... Elle est passée au niveau 4. Donc là, si je protège à nouveau, ça va augmenter les droits de douane dessus. Ça va calmer un peu les choses, normalement, sur les exports. Parce que j'ai pas envie qu'ils exportent trop non plus. Donc, s'ils pouvaient redescendre niveau 3, ça m'arrangerait, en fait. Ici, c'est un peu le même principe. Par contre, toi, bah pareil, approvisionnement. En fait, on fait que protéger l'approvisionnement national pour essayer de stimuler là plutôt les importations. D'ailleurs, elle vient de passer au niveau 2, donc là, ça va aider. Mais c'est pour augmenter surtout nos... Ok, nationalité plus 10% d'autorité. Ah, oh, d'ailleurs, tiens, j'ai de l'autorité en rab. Est-ce que... Bah tiens, petit impôt sur les porcelaines. Alors, je sais, c'est chiant, hein, mais... J'ai besoin de thunes. D'un autre côté, si on faisait sauter des trucs pour... non, même pas en fait. Vêtements de luxe, du coup, on en a quasiment pas. On est déjà en train de faire les meubles de luxe. Voyons voir. Bon, après, on a... Ouais, le chantier naval, ça se porte très bien là. Ouais, nickel. Par contre, ouais, le prix des moteurs qui a augmenté, ça fait mal. Mais de toute façon, c'est pour ça qu'on a deux levels de plus qui vont arriver. Et le premier va arriver dans quelques semaines. Donc ça, c'est nickel. Ah, j'ai bien envie de vous dire même que... J'aimerais bien rester en positif si possible. Transfert du fonds d'investissement, on est à 2K. Donc ok, on gagnerait un 4 plus si on levait ça. On en est où sur nos relations avec la France ? On est à 60. Par jour, on a 1%, donc ça nous fait du 7% par semaine, 30% par mois, donc plus 1 tous les 3 mois à peu près. Donc ça nous prendrait... Pff, ouais. 3 fois 20. 104. Ouais, ce serait long quand même. Je me dis, vu qu'ils sont dans une guerre... Si on arrêtait de les payer, ça nous aiderait énormément.
Parce qu'à ce détecteur de 50, mais le problème, c'est que si ils font... Parce qu'ils pourraient très bien faire sauter l'accord commercial, en fait. Et ça, j'aimerais franchement éviter. Viens voir avec vous. Ouais, on est toujours en attitude prudent, hein, entre nous deux. Oh, l'Espagne a un léger souci de révolte. L'aristocratie espagnole qui est en train de faire une... C'est ça une révolution, les gens. Ce qu'on voudrait éviter, mais... Ah, regardez ça. Ça diminue. Incroyable. On a même gagné. Alors, les loyalistes, c'était surtout à cause de l'événement. Et on a plus que 10 jours. Alors, du coup, on a le parti pour libre-échange qui a eu un petit peu plus de dynamisme. Mais ça reste encore surtout le parti conservateur, mais... Yep. Donc le parti conservateur est toujours premier. Le truc c'est que si je voulais réformer le gouvernement et faire sauter le parti libéral et faire entrer ces gens-là, là on aurait 76% de légitimité et... Non, ils veulent toujours pas. Ah, le petite bourgeoisie. Oh, ils veulent rejoindre le... Ah, ils ont changé de parti. Oh, génial. Oh, génial. Yes. Confirmé. Donc du coup... La petite bourgeoisie. En fait, le leader a changé et est passé en libéral de marché. Donc du coup, boum, parti pour libre-échange, petite bourgeoisie. Elle devrait même passer sur plus que plus heureuse, j'imagine. Ouais, ils approuvent le changement. Même les propriétaires terriens, s'ils sont malheureux. Le truc, c'est qu'avec leur poids politique qui redescend, eux, ils vont bientôt être marginalisés, ils ne vont plus être un problème. Donc on est à 48% maintenant de succès parce que les deux qui soutiennent sont au pouvoir. Ah putain, on l'a pas eu. Alors, ça a augmenté de 15% le succès de la propagation. On a eu de la chance. Si on regarde... Ouais, succès 63%, avancement 34%, 0% de chance qu'il y ait des débats et 1,9% de chance qu'elle soit bloquée. Donc, prochain truc, et en plus, vu qu'on a beaucoup de légitimité, la légitimité, ça détermine la vitesse à laquelle le truc se calcule. T'sais. Donc, ça va aller beaucoup plus vite maintenant qu'on a une très forte légitimité. Donc, c'est pour ça que je vous disais, on peut rien faire tant qu'on n'a pas les prochaines élections. Mais maintenant qu'on y est... On va pouvoir faire des choses avec ça. Donc ça, c'est très très bien. Donc on a en plus la nouvelle industrie qui arrive. Ça va faire baisser le coût des moteurs un petit peu. Et probablement augmenter d'ailleurs le volume d'exportation qu'on a là-dessus. On va voir à quoi ressemble notre fonds d'investissement actuellement. Ouais, regardez, il continue à progresser, c'est bien. Notre PIB continue à bien progresser aussi, nickel. Donc voilà, ça a été terminé. Donc on atteint le niveau 2, ça va embaucher. Mexique est en guerre avec les USA. Ah oui. Ils sont en guerre pour récupérer l'Arizona, la Californie, le Nevada, le Nouveau-Mexique et le Texas américain. Et les autres en face, ils veulent libérer la Louisiane ou restituer le Texas. Donc c'est la grande guerre Amérique-Mexique pour que les États-Unis atteignent la côte est. La côte ouest. Trace écrite. L'élite intellectuelle trouve de plus en plus difficile de trouver du papier à bon prix pour écrire leurs idées. Nous nous procurons les pages qui serviront aux plus grands écrits de demain. Ajoutez importation de papier. Ah, vous voulez importer du papier? Ok, alors j'imagine que le papier est un peu cher. Qu'est-ce qui s'est basé? Ah oui, le papier est cher même. Ok, donc non, alors on peut importer du papier temporairement, donc on va le faire parce que ça nous donne une mission. En gros qui nous dit, importe du papier, oh on va importer du papier. Une route commerciale, ok, ça va augmenter l'approbation du groupe d'intérêt. Bah moi je veux bien, il n'y a pas de problème. Donc on va importer un peu de papier. Bah du marché français. Oh on a réussi. Du coup ils approuvent. C'est bien. Oh, la verrerie. Ouais, c'est encore les teintures qui râlent. Qu'est-ce qui se passe avec les teintures? La route commerciale, elle veut pas s'upgrader. On n'a pas une autre. Oh, on a une bonne route du marché danois qu'on peut faire. On peut peut-être même la faire sauter l'autre. Beaucoup d'importations du tabac. Mais j'ai plus d'exportation de tabac. Ah, mais oui. Notre production locale qui est pas assez bonne. Le papier, du coup. Non, c'était pas le papier. Qu'est-ce que j'étais venu voir déjà ici? Si, attends, on venait de rajouter une route de teinture. Ok, donc vu qu'elle est à 15, celle-là, si je fais sauter celle espagnole, est-ce que... Voilà, plus 21, elle devrait monter au niveau 2, non? Yes, elle monte au niveau 2.
toujours pas. Eh bien. On a une pénurie de teinture, je sais. Bon, c'est nous qu'on vient de la faire. Voilà, niveau 2. Ah mais non, attends. Dès qu'on la passe au niveau 2, elle redescend au niveau 1, c'est ça? Nouvelle préoccupation. L'Église catholique a exprimé son inquiétude au sujet des décisions gouvernementales qui favorisent nettement les intérêts des industriels. Bah, tant pis pour toi. Moins 10% de force politique. Yes. Avec plaisir. La base navale continue à embaucher apparemment, ok, mais surtout ce qui m'enquiquine là c'est... Oh tiens, d'ailleurs, l'usine de papier elle peut passer au blanchiment. Ce qui augmenterait 30 notre production mais augmenterait encore plus la demande de teinture. Qu'est-ce qui s'est passé sur notre importation de papier? Elle nous a foutu en l'air... Non, elle resterait de niveau 1. Si on l'enlève, ce que j'ai fait juste pour la mission. Celle-là, elle va redescendre au niveau 1 de toute façon. Avec à ce rythme-là. Mais pourtant, j'ai une pénurie chez moi, quoi. Donc, le mieux serait probablement d'avoir une deuxième route, quoi. Mais, oh, remarque, la route du marché britannique, elle vaudrait le coup. Vas-y, balance. Non, je voulais le niveau 3. C'est fait pour. Donc là c'est bon, ça a calmé un peu les choses. Toujours les routes commerciales de charbon qui arrivent pas à... Ouais, j'en ai 3 en plus. Être sérieux. Ah non, merde, pardon. C'est ça que je voulais faire. Non, ça c'est très bien. Stimuler les importations. Ça en plus on a genre l'exportation maximale dessus quoi. Et LD au niveau 6 donc c'est bon. Ouais ok, alors on a des gros besoins de convoi à nouveau. D'accord, donc on a pas mal de routes qui ont été upgradées parce qu'elles étaient suffisamment rentables. Donc je pense qu'on va vouloir un deuxième port, un troisième port à Haïti. Ok, bon la levure chimique c'est cool mais c'est pas trop ce que je voudrais. On va glisser le port... ici. Chantier naval qui est numéro 1. Manufacture de meubles. La verrerie marche bien aussi quand même. Fabrique d'outils aussi. C'est toujours la scierie qui est... Ouais, elle perd de l'argent quoi. En fait elle fluctue dans tous les sens. Moi, je pense que ça leur ferait gagner de l'argent parce que... Oh, le non-interventionnisme. Ok. Très bien. Agriculture inefficace. Attends, ils sont à combien d'approbation là? Ils sont loyal à 11. J'ai pas trop envie de prendre le risque qu'ils soient plus loyal. Donc on va gagner encore un peu de radicalisme comme si on en avait pas assez. Oh, remarque, ça va, ça reste stable. Mais là, on est à plus 3K. Je peux descendre ou pas? Yes. Ouais, ça reste juste, mais on est toujours en positif. Ok. Si on peut essayer de maintenir ça, ce serait pas mal. Je peux améliorer mes relations ou quelque chose avec ces gens ou pas? Non, toujours pas d'action diplomatique disponible supplémentaire. Et avec le Danemark? D'accord, on pourrait essayer d'améliorer nos routes commerciales avec le Danemark. Pour avoir un accord avec eux. Donc là, les contributions au fond, voilà. Regarde comment il a augmenté. Ça, c'est le nom d'interventionniste. Ça nous a donné... Ça a fait passer de 25% à 50% les contributions des capitalistes au fonds d'investissement. Et ça, c'est vraiment le but. Ouais, bon, après, le truc, il est vide.
Tu perdrais plus à arrêter les paiements. Bah, le gros risque, Léo, si on arrête de payer la France, c'est qu'elle risque de faire sauter l'accord commercial, de changer d'attitude envers nous, de protectrice à hostile, si tu veux. Et à ce moment-là, elle peut juste nous envahir et nous conquérir, en fait. Parce que le fait d'arrêter les paiements donne à la France des revendications sur nos territoires. Ça veut dire qu'elle peut nous, envahir et nous conquérir sans que ça lui génère de l'infamie. Et du coup, bah, ça veut dire qu'on est mort, quoi. La partie est finie. Donc ce sera un peu casse-gueule. Alors est-ce qu'on pourrait améliorer notre importation de plomb ou est-ce qu'on voudrait faire plus de céramique? Ouais, je sais pas, parce que c'est toujours ce problème de teinture ici. Ouais, j'ai deux routes commerciales qui voudront pas s'upgrader pour l'instant parce que les rendements, les revenus sont pas assez élevés. Sinon, le must serait peut-être de l'upgrader au niveau 2 tout bêtement en fait. On les laisse dans cette situation, mais en augmentant la production, ça devrait aider. Ah bah tiens, des Swahili qui émigrent vers Saint-Domingue. Donc c'est bien, on va avoir un gros afflux de gens supplémentaires. Troisième, du coup. Ça, ça va nous aider. Oui, au fait, au niveau des lois, on devrait pouvoir passer des choses. Alors, oui, trop intéressant. Quitte quoi ? Alors, les propriétaires terriens ont passé à moins 15. Le problème, c'est qu'ils sont au gouvernement. S'ils sont au gouvernement, ils vont sortir du... Il y a le parti conservateur qui va sortir du gouvernement et notre légitimité va plonger. Donc ça, ce serait pas une bonne idée. Il y a personne qui soutient ça. Il y a que l'élite intellectuelle qui soutient ça. D'accord. On va pas changer de vote, non. On va pas devenir une monarchie ni une théocratie. Ce serait pas une bonne idée. On pourrait essayer de passer la garde nationale. L'élite intellectuelle apprécierait pas. Ce serait dommage. La loi sur les indigents, il n'y a que les... Ouais, mais ils font chier ces propriétaires terriens, quoi. Le aucun contrôle migratoire, ouais, c'est toujours les mêmes encore. Les ruraux, la petite bourgeoisie. Alors eux, le problème, c'est qu'en plus, ils sont forts maintenant. Donc c'est pas vraiment le moment de les emmerder. La charité, les industriels n'en veulent pas. Attends. On a le... J'étais dessus. J'avais dit, il faut qu'on ait ça. Donc on va aller là-dessus, parce que comme ça, on va pouvoir passer sur l'assurance maladie privée, parce que là, il n'y a que des gens qui soutiennent, personne qui est contre, ce qui serait vraiment nickel. On va certes, on peut pas passer l'imposition proportionnelle, c'est mort. On n'a aucune police. Force de... Ouh, il y a que les ruraux qui sont contre. La petite bourgeoisie, les forces armées, les propriétaires, même les propriétaires terriens approuvent. Normalement, c'est les forces de police locales qui approuvent. Les propriétaires. Ah, mais là, ils sont à plus 10, là, ils sont à plus 5. D'accord, donc ils approuvent fortement celle-là, mais ils approuvent juste celle-là. On va faire passer force de police spécialisée. Parce que la force de police locale donne aussi plus 10% de pouvoir aux propriétaires terriens. Donc ça, on veut éviter. J'ai la manufacture d'armes qui a du mal. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon, elle est au plein emploi. Ouais, nos prix, ça fluctue. Ouais, j'ai une seule route commerciale vers le marché français. Ah, mais attends, c'était la route qu'on avait mis en place pour améliorer nos relations avec eux. C'est pas ça. Ou alors non, c'était peut-être devenu la meilleure. Attends, je vais faire sauter les deux routes. On devrait pouvoir peut-être faire une meilleure... quelque chose de mieux, non? Ouais, exportons aux Russes, tiens. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Et toujours aux Américains pour les armes. C'est logique, remarque. Ouais, le port. On va attendre la fin de l'industrie automobile quand même. Elle va bientôt se terminer. Regardez comment on est à plus 800. Alors qu'on n'est plus au maximum des impôts. C'est génial. Parce que ça, du coup... Alors pour l'instant, ouais, ça reste, ça monte, ça descend, ça reste stable. Ils sont pas trop contents à cause de quoi? Renvoyer des bâtiments. Alors ça, oui, effectivement, quand on a des pop qui passent d'un bâtiment à un autre parce que ça fluctue dans tous les sens et tout, ça aussi, ça génère de la radicalisation. Donc c'est un peu chiant, mais bon. On a perdu un peu des loyalistes, mais l'augmentation des niveaux de vie va aider. Notre niveau de vie, bon, il commence à progresser un peu.
qui est vraiment le but. On est toujours à plus 28% sur les prix ici. Les céréales sont très chères. Le problème, c'est que j'ai déjà deux routes. Mais ces deux routes... Si on essaie... Ouais, on peut importer Sénéral des Danois au pire. Mais je suis pas sûr que ça aiderait monumentalement. On peut importer un peu des meubles du marché français. Bon, après, j'ai pas mal de bureaucratie, remarque. Mon exportation d'acier ne marche plus. Voyons voir. C'est quoi la gueule de la Syrie en ce moment? Ok, en fait, l'offre et la demande est bonne. Ok, donc la France a annexé l'Oualata. D'accord. On est le 6e producteur mondial d'acier. Pas mal. Juste derrière Baroda. Ok. Salut El Magnifico. Ouais, ouais, attention. Bah, c'est pour ça qu'on est en train de faire un autre port. Mais là où je me dis que ce port, on a bel et bien du transfert de fonds d'investissement. Oula, alors attends, j'ai quelque chose qui vient de se produire là. Voilà, manœuvre de meubles. Oh putain, la manœuvre de meubles est repassée en négatif ici. Ah, ok. Non, c'est bon. Tout va bien. On peut la passer sur la chaudière à tube à eau, mais pareil, on a toujours le problème d'un manque de charbon si on fait ça. J'ai trois routes qui importent actuellement. Ouais, ok. On a... Ouais, tu vois. J'ai mes convois. Ça monte, ça redescend à cause des convois et tout. On a un problème de convois. Ça pourrait être pas mal même d'ailleurs d'en faire encore un autre ici. On va beaucoup avoir besoin de ces convois. Ouais, là du coup, le fonds d'investissement s'est un peu effondré parce que... J'ai des problèmes de demande. J'ai des trucs qui vont pas. J'ai des routes du coup qui sont de moins en moins... Ah, par exemple, la route de fer, j'imagine, veut upgrader. Et il faut qu'on améliore aussi les trucs de papier. Alors, attends, ça nous ferait gagner des thunes si on l'augmentait. Là, par contre, ok, la demande de charbon, ok, elle vient de redescendre. Est-ce que j'ai une route qui s'est... Non, j'ai pas de route qui s'est upgradée. Ah ok, effectivement, j'ai le troisième level qui s'est fini ici. On va vouloir aussi améliorer la fabrique d'outils et fabrique de papier, on avait dit. Bon, remarque, sur l'usine de papier, on peut peut-être passer juste au niveau au prochain truc, mais là, c'est les teintures qui vont râler à nouveau. Je peux encore augmenter la demande de charbon. J'essaie, je me dis, si je booste suffisamment la demande de charbon... Hop, ah bah on a les forces de... Bah c'est passé direct, tiens. Ok. Donc on a maintien de l'ordre public qui est arrivé en place. Donc ça réduit le nombre de radicaux dû au niveau, à la baisse de niveau de vie. Je vais l'augmenter au niveau 2. Ok, alors les industries alimentaires. Le truc c'est que ces industries alimentaires, est-ce que ça vaut le coup qu'on les... on en est où là? 27 sur 41. Alors la voie ferrée elle va attendre. On va la rebasculer en bas. Je pense que les usines de textile et de manufacture de meubles, celles-là, on va en avoir besoin. Ouais, parce qu'on a les prix qui sont toujours assez élevés, mais c'est quoi? C'est non, le tissu, ça va. C'est toujours les teintures, quoi. Putain, ces teintures, je te jure. Qu'est-ce qui se passe? Ok. On a deux routes. Ouais, mais ok, c'est le problème de... Ouais. 880. Disponible, ouais. 913 sur 880. Donc du coup... Attends, les ports existants, c'est moi ou ils embauchent pas à 100%? Si. Et si. Pourquoi ils sont à 880 du coup? On a 400 convois de plus. Ah mais on a 80 convois de par défaut, c'est ça? Ah non, c'est le plus 10% qui vient des roues à aube. D'accord. Les USA ont peut-être plus de monde en canon? Ben en l'occurrence non. Par contre, waouh. Chantier naval, ça a pas l'air d'être la forme là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est parce que la route est pas à 100%. On pourrait faire une route vers le marché américain.
route ici qui est à 31, ok. Pénurie de céréales sur le marché haïtien. Alors ça c'est pas cool. Finis-moi ce port s'il te plaît. Non mais d'ailleurs je pense qu'on va mettre le deuxième port. Alors pas en premier, non, en deuxième. Ah. Deux ports supplémentaires, ça devrait aider. Regarde comment ça fluctue. Ça c'est le problème de pénurie de convoi. Ouais, les outils ont vu leur prix augmenter. Je parie que ça devient des industries automobiles qui ont pas mal augmenté la consommation d'outils. Mais on a ce qu'il faut dans la liste. En plus, ça augmenterait la demande d'acier, ça. Donc je vais peut-être le faire après l'industrie alimentaire. Bon, là, du coup, notre situation de convoi devrait... Oh, bonjour le Danemark, tu veux un accord commercial? Oui, avec plaisir. Alors, celle-ci est passée à 16... Oh, nice, elle est montée niveau 4. Est-ce qu'elle peut monter plus haut? Non. Si on virait... Je vais virer la route avec la France, ça devrait rendre plus performante ces deux autres routes, non? Pas tant que ça, malheureusement. Ok. Alors. On peut essayer de finir la dialectique. Je voudrais juste voir avant. On a la conserverie. Ok, toujours rien. Ouais, c'est le rainurage qu'il est en train de rechercher. Et ici... Ah bah, il vient de finir les produits pharmaceutiques, c'est vrai. Bon, on va continuer la dialectique dans ce cas-là. Et du coup... Ça veut dire que on peut passer l'assurance maladie. Alors le problème c'est ouais le coût en bureaucratie, mais j'ai l'impression que j'ai la bureaucratie qui augmente. Ah mais on a un plus 20% à cause de la petite bourgeoisie qui nous a donné un boost parce qu'ils sont heureux. Ouais ce groupe là est extrêmement puissant. Bon, il faut pas qu'il meure, lui, en fait. Il a 36 ans, il est innovant. Oh, c'est sympa, ça. Ah, mais il est pas dirigeant. Non, c'est pas lui. C'est le gars des forces armées. On va voir, je pense que les prochaines élections vont être intéressantes, parce que vu que la petite bourgeoisie n'est plus dans le parti conservateur... Améliorer les techs de port. Ça va nous prendre trop longtemps à améliorer les techs de port. Parce que c'est celle-là. Et ça prendrait 4 ans à rechercher. Et en fait, je veux lancer ça quand on va avoir la diffusion de technologie sur les cuirassés. Donc on pourrait plutôt accélérer le rainurage pour espérer qu'après ce soit les cuirassés qui commencent à venir en fait. C'est ce que je faisais tout à l'heure ça. Ok, donc là ça va mieux. Qu'est-ce qui se passe? Manufacture de meubles, ok. Donc j'ai la Syrie qui arrive à gagner un peu d'argent, mais toujours ce problème de charbon. Ah putain, j'ai à nouveau des convois nécessaires, mais c'est pas vrai quoi. Le problème c'est que si je vire les convois sur le charbon, il y aura pas... Enfin, les convois vont être monopolisés par d'autres trucs. C'est celui-là qui veut upgrader, j'imagine. Ah, c'est ça. 1127 sur 1100 disponibles. Putain, mais en fait, ouais, juste les 200 convois qu'on a pris, c'est vraiment pas assez quoi. C'est quoi les grosses routes qui nous coûtent autant de convois? Celle de céréales nous coûte un bras, effectivement. Alors, dans le pire des cas... alors, remarque, on a plus de paysans ici. Le problème, c'est que le prix du tabac est déjà très élevé. Notre groupe social consomme beaucoup de tabac. On pourrait peut-être remplacer nos exports de tabac par de l'importation, mais on serait que sur le marché britannique. On n'a toujours pas d'intérêt, on est 16 de prestige. Ah ouais, les salaires de gouvernement très bas, ça aide pas. Je savais pas que ça a impacté le prestige, tu vois, j'avais jamais fait gaffe à ça. Ça nous coûterait 2,34. Ah, les Sudans ont activé un intérêt pour les Caraïbes. C'est-à-dire qu'on peut commercer avec eux. Le problème, c'est que j'ai pas envie d'importer des outils.
pourrait vraiment importer du tabac, mais... Non, les vêtements, c'est mort. Alors, on a une... On est à du 12. Les autres sont à... Ah, mais j'ai qu'une seule route avec les US, en fait. Ah! Alors... Mon exportation de machines me coûte cher en convoi, en fait. D'accord. Ouais, un tiers des convois partent dans l'export des moteurs, en gros. D'accord. Bon, c'est bon à savoir. Parce qu'actuellement, le seul truc que j'ai qui utilise des moteurs, je crois que c'est les voies ferrées, on n'en a qu'une seule. Ouais, parce qu'il y a plein de trucs qui pourraient utiliser des moteurs, mais on n'a pas du tout les technologies nécessaires pour... Le chantier naval se porte bien. C'est les clippers qui ont un prix extrêmement élevé. Ah bah oui, forcément, la demande de clippers a énormément augmenté. Parce que j'ai plein de ports supplémentaires. Le problème de ces ports supplémentaires, c'est qu'ils nous coûtent. Et avec le prix des clippers qui augmente, on va probablement vouloir upgrader le chantier naval. Ok, pendant ce temps-là, voilà, on a un nouveau port qui vient de monter en ligne. Donc la demande de clippers qui augmente encore plus. Taxe sur la santé. Prenons l'argent sur... What? Depuis les appels en faveur d'un système de santé, nombreux sont ceux qui se demandent d'où viendra l'argent pour le mettre en place. Certains suggèrent de le prélever simplement sur nos impôts, tandis que d'autres insistent pour que le gouvernement trouve un autre moyen de couvrir les coûts. Tiens, voilà, la loi... Tant que c'est en promulgation en plus, putain, on est à 23%. Plus 20% de succès, 1200, ou on peut s'en sortir sans là, plus 10%. Ouais, alors 600 ou 1200, je suis désolé, je les ai pas là. Hein. Donc on peut vous en sortir sans. Ça, c'est mes réserves. Ouais, on est à 2,25. Si je suspends... Ouais, je suis à moins 900 encore quand même en fait. Hein. Ça veut dire qu'il faudrait remonter les impôts à nouveau. Bon, après on peut encaisser le coup pendant quelques semaines, mais ouais, ça je crois que c'est les ports, les ports additionnels avec le prix des clippers aussi et le prix du papier qui est élevé. Ça nous aide pas. En fait, on peut voilà, espérer que le fonds d'investissement accumule peut-être pendant 2-3 semaines. Tu gagnes 300 000 avec des impôts au minimum et pas de taxes. Bah, les impôts au minimum, c'est pas d'impôts. Hein. Ça dépend de ton profil de loi d'imposition que tu utilises. Il ressemble à quoi notre marché là? Bon, ces deux lignes, on peut virtuellement les ignorer. Les verreries. Est-ce que ça vaudrait le coup d'essayer de stimuler les verreries en les passant sur les verres en cristal? Comme je disais, le problème c'est... Bon, qualification insuffisante, mais ça va. C'est les ingénieurs, mais on devrait pouvoir les trouver. Mais c'est surtout le plomb. Au pire, on peut créer les routes commerciales nécessaires, en fait. Ça augmenterait la porcelaine. Ouais, j'ai 25 des routes commerciales. On va essayer, tu vois. On va passer ça et ça. Ok, donc du coup... Alors déjà, est-ce que la route a des chances de s'upgrader? C'est ce qui va être intéressant, là. Elle devrait passer au niveau 2. Normalement, on a les convois. Ah, on a 1300 convois. Ok. Oui, alors l'importation de tissu, c'est pas grave. Le plomb. Est-ce qu'elle peut monter au niveau 3? J'ai pas l'impression, malheureusement. Non, je veux pas aller sur le marché italien. On peut essayer d'importer du marché français un peu. Ok, ça reste en positif.
On a réussi à calmer le prix. La teinture, ça va étonnamment bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a... Ah oui, on a la route commerciale qui a upgradé du coup. Cool. Marc, si on passe là-dessus, ça augmente pas la consommation de teinture. Ça va pas, ça. Toujours le charbon. Putain, elle veut pas. Et non, elles veulent pas augmenter ces routes. Est-ce qu'on peut tenter? Ouais, alors attends, on exporte 55, bon moi ça ne coûte pas beaucoup de convoi de ça, mais... Non, c'est chantier naval, sur le chantier naval. 55, la demande sur mon marché elle est de... Bah elle est de 35. Je pense qu'on va, on va faire sauter cette route. Ça va faire énormément baisser le prix. Voilà, ça fait énormément baisser le prix, mais du coup le chantier naval n'est plus bénéficiaire. Mais si on pouvait avoir une route de quoi, 30 à peu près, ce serait pas mal, non? Ouais, de 20 même en fait. Il me faudrait une route de 20. Sauf que sur le marché espagnol, il n'est qu'à 31 direct. Ça, ça me fait des économies. Voilà, c'était le temps que le fonds d'investissement accumule un peu. Parce qu'il faut que tu bourses sur les ports marchands. Mais le problème, c'est que ces ports marchands, c'est nous qu'on les paye. Donc ça nous coûte extrêmement cher. Tu vois, on est à... Les ports nous coûtent 2K. Plus 2K de l'achat de Clipper, donc c'est 4000 pour les ports qu'on a. Donc moi je veux bien me bourrer, mais on va jamais avoir les thunes. Ce serait trop tôt. Alors les engrais, attends, les engrais, on n'utilise pas ces engrais. Alors il n'y a que les cultures de riz qui utilisent les engrais. D'accord, donc nos élevages de bétail... Ouais, ou alors je peux essayer d'exporter des engrais. Voilà. Merci Ortix pour l'abonnement. Merci beaucoup Ortix pour ton message aussi. Augmenter les taxes sur les clippers. Ah, c'est pas une mauvaise idée ça. Mais ça le bouge pas énormément en tout cas, mais ça aide un petit peu, j'ai l'impression. Parce qu'au moins, du coup, le prix n'est pas prohibitif. Donc c'est déjà ça de prix, quoi. On est en train de faire quoi, là? On est en train de faire la fabrique d'outils. D'ailleurs, j'ai de l'autorité, moi. On pourrait taxer la porcelaine pour 620. Ou alors... On fait la promotion d'industrie manufacturière. Qui a amélioré la production de tout ici. Ou ici, parce qu'il y a les usines de meubles et de textiles. Oh, remarque, putain, sur les meubles. Ok, conserve. Ouais, j'ai beaucoup qui vient de la route commerciale. La route commerciale... Ah, elle est trop haut level en fait. Bah, tu vois, ça aurait été bien entre parenthèses ici, ça dit 1 parce que t'as une route, mais quand tu cliques dessus, ça te donne un peu effectivement le truc quoi. Elle est montée au niveau 9, celle de céréales. Donc ça c'est bien parce que du coup le prix des céréales a pas mal au... Ah bah tu vois, regarde. Les radicaux se calment un peu. Et on a gagné des loyalistes parce qu'on a le niveau de vie. Eh ben regarde le niveau de vie. Je viens de prendre un bon boost. Je pense que ça, le fait que le prix du céréal est baissé, ça aide. Le fait que le prix des meubles soit faible, ça aide.
On avait dit, c'était... Ouais, les usines de papier, si on les passait au niveau suivant. Ouais, ce serait gérable, là. Ça augmente la demande en soufre. Alors, il est... Ah, alors... Ouais, j'ai plus assez d'emplois. Très bien. Donc, on va faire sauter une usine de tabac. Voilà. Voilà, le prix du papier qui diminue un peu. Ça nous fait des économies sur le coût du papier. Ah, parce qu'on paye 3000 quand même de papier là. Le rainurage, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme diffusion? Attends, on va regarder déjà. Oh, les ateliers mécanisés, je veux bien. L'approbation des industriels qui a augmenté. Diffusion de l'état-major. Bon, c'est pas celui que je voulais, mais c'est pas grave. La police métropolitaine, oui, ça, il faut avoir un maintien d'ordre public à 5 et une agitation à 20%, mais je sais pas pourquoi ça a bugué à chaque fois que j'ai essayé de le faire. On pourrait aussi... je pense qu'on va améliorer nos bases navales. Ça va augmenter la demande de Man of War sur notre chantier. Voilà, ce qui lui permettra d'accumuler encore un petit peu plus. Et améliorer la situation avec les clippers. Mais là, on est bien. On gagne plus 1,42. Donc, le truc, c'est que... On a encore 14 000... Ouais, ok. Donc, c'est le temps que ça vide, se vide. Parce qu'on est les sources d'investissement sont pas mal redescendues. Donc là, le transfert est au... couvre la fabrication, mais... C'est parce qu'il y a encore 12K, donc dans 3 semaines ça va tomber à 0, on va passer en négatif. Mais au moins on va avoir la truc d'outils qui va se terminer entre temps. On va voir notre PIB. Ouais, il continue à progresser doucement. On va voir ici on a 1,7 et ici à 2,16. Bah tiens, Saint-Domingue a un meilleur PIB, tiens. Ouais, ça doit être... Attends, c'est quoi le plus gros du PIB ici? C'est les meubles de luxe. Ah ouais! Meubles de luxe et vêtements, effectivement. Discord au sein de la petite bourgeoisie. Les industriels vont tendre la main à ces dissidents. Ça va booster la puissance des industriels. Ce qui... Oh merde, on a eu un échec des débats, je l'avais pas vu passer celui-là. Mais bon, moi on a 33%. Ah oh merde, le mec de la petite bourgeoisie est mort. Ça peut être très mauvais signe pour nous. Ah, il est traditionnaliste. Merde. Donc ils vont vouloir repartir dans le parti conservateur. Aïe, 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 ça va faire mal, ça. Le fer est cher. Et l'artillerie est chère, mais ça, c'est pas grave. Le fer, qu'est-ce qui se passe sur le fer? Ah, mais je sais, c'est la fabrique d'outils qui est passée d'un niveau de plus. Les routes commerciales, du coup, parce que bon, on a que ça pour l'importation de fer. Ah, je crois qu'elle est passée au niveau suivant toute seule, comme une grande. Putain, mais ça, c'est génial. Honnêtement. Je me tâte presque à... Si on avait un peu de droit de douane dessus, voyons voir, ça donnerait quoi. Ça resterait toujours... ...1218 sur 1320, putain. Les manufactures de meubles peuvent aussi... Ça va augmenter notre demande de charbon. Mais comme je disais, parce que là on a augmenté la production d'outils. Ah, fabrique d'outils elle aussi. Oh oui, 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 ça c'est carrément intéressant. Bah, tu sais quoi, vas-y, passe sur la chaudière aussi. On va essayer de... Ah, la manuf d'armes, elle peut... Ouais, moins 700, mais t'inquiète. Ça augmente la demande d'acier. Alors, les lampadaires au gaz, ça va fortement augmenter la demande de charbon. Mais le prix va rester... Il va rester à 52 en fait. Donc est-ce que t'as moyen d'upgrader au niveau suivant toi ou pas? Si on essaye de... Le problème c'est que si je fais ça, je vais cramer mon marché... Ah putain, on a vraiment
personne avec qui on peut... Ce qu'il faudrait, c'est... Avec la Prusse. Commercer avec la Prusse, en fait. D'accord. Ah, si, on en a une qui est passée au niveau 2. Mais je me demande si on n'aurait pas un meilleur, une meilleure capacité si on descend là. Est-ce que tu pourrais vraiment pas passer au niveau 3, honnêtement. 458 à 351, 11 à 6. Ok, mais est-ce qu'on pourrait pas augmenter encore ça? Pas sûr, sûr, non. Ouais, donc du coup, il vaut mieux combiner, reprendre les Britanniques. Oh. Les US ont mis sous embargo le Mexique, mais vous êtes déjà en guerre, vous êtes déjà sous embargo en fait. Bon, du coup, à l'élection. Oh. Voilà. Et en fait, ouais, ils sont. La petite bourgeoisie a basculé chez eux parce qu'ils ont changé de leader. Ça fait chier. Mais pourtant, le Parti pour Libre-Échange a un bien meilleur dynamisme. Mais ça se traduit pas vraiment ici en fait. Parce que le problème, c'est que ce parti conservateur a vraiment une coalition très forte. Mais au moins l'avantage, c'est que on pourrait essayer de... Vu qu'ils sont à zéro là, on pourrait essayer de changer. On pourrait voir. Bon, après l'élection, j'imagine. Parce que oui, on peut rien faire en période d'élection, il me semble. Ah mais non, surtout, je suis déjà en train d'essayer de passer l'assurance maladie. Là, j'ai plus que 19 de bureaucratie. Là, je crois que ouais, les transferts du fonds d'investissement sont au max. Ok, donc le prix du fer s'est stabilisé. On va faire un break ici parce que l'épisode, il, d'ailleurs, ça fait 1h10 là. Donc en fait, stop. Désolé, j'ai pas vu le temps passer. Donc merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Salut à tous.